compliqué pour nous du côté du stadium municipal. Ouais, compliqué parce qu'on prend à 39-23, je pense que le score ne fait pas trop le match. Parce qu'on prend trois essais un peu casquettes. Il n'y a pas eu forcément de jeu de notre part. Et de leur part, c'est pas non plus la folie, mais voilà, après le score est là et on va travailler dur cette semaine pour revenir sur un gros match la semaine prochaine. On a le derby contre Angoulême. L'entame vous fait mal quand même. Non, des essais casquettes qui font mal. On revient à la mi-temps, on est dans le match, on reprend une essai casquette. Après, on a une action d'essai, l'arbitre retourne la pénalité contre nous, alors qu'ils ont fait la même action en mi-temps. Et on reprend 10 mètres de plus. Donc voilà, c'est des petites erreurs qui vont nous faire grandir et qui vont faire qu'on va se relever. Justement, sur l'Angoulême qui s'est réveillé hier soir contre Nice, donc à la maison, il va falloir être intraitable. Ouais, on sort d'une performance contre Bagnac à la maison. On avait shooté le premier match contre Suresnes, on avait été surpris. Maintenant, un derby, je pense que c'est un match pas comme les autres. Et je sais que tout le monde a à cœur de faire... bien préparer ce match et de faire un bon match. Donc, rendez-vous dimanche à 15h. Ouais. Quels ont été les mots de Fabrice là, dans le rond à la fin du match? L'analyse? J'ai pas fait d'analyse, on verra cette semaine. On a toute cette semaine pour travailler sur l'analyse du match. On va vite switcher. Je pense qu'on va travailler directement sur l'Angoulême. Et voilà, c'est le plus important de vite switcher et passer focus sur l'Angoulême pour dimanche. Merci.